Après 6 mois de débats législatifs, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 10 juillet dernier, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Sa promulgation ou son renvoi pour révision dépendra de la décision du Conseil constitutionnel, qui a été saisi le 15 juillet 2015, qui devrait se prononcer le 15 août 2015. En cas de promulgation, une grande partie de la loi sera appliquée début septembre ou mi-septembre 2015. Dans cette attente, les entreprises doivent se préparer aux changements opérés par cette loi. Cette loi vient en effet apporter de nombreuses modifications et certaines nouveautés. Elle vient tout d'abord encadrer les réseaux de distribution en exigeant par exemple une échéance commune pour l'ensemble des contrats régissant la relation entre une tête de réseau et un commerçant, et en prévoyant également que la résiliation d'un contrat entraînera la résiliation des autres contrats existants entre ces parties. Cette loi prévoit également, interdit également, les clauses de non-concurrence post-contractuelle qui ne rempliront pas certaines conditions cumulatives. La loi Macron vient également prévoir que la convention unique devra également être établie entre le fournisseur et le grossiste. Par ailleurs, en ce qui concerne les prérogatives de l'autorité de la concurrence, la loi Macron vient également accroître les prérogatives de l'autorité de la concurrence en matière d'injonction structurelle et modifier les procédures devant cette autorité, ainsi que les règles relatives au contrôle des concentrations.